Seigneur ce matin, ça vous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2. Livre de Genèse chapitre 2. Le verset 18 jusqu'au verset 25. Genèse chapitre 2. Verset 18 jusqu'au verset 25. On entend encore des gens qui sont assis. Même si vous n'avez pas une Bible, s'il vous plaît. La parole de Dieu est déclarée et lue et lit. Tu dois te mettre. Le commencement était la parole. Et la parole de Dieu. Le fait que nous mettons debout, nous honorons la parole de Dieu. Et nous honorons Dieu lui-même. La Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Et il les fait venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point de semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est la chair, c'est les os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'avait point honte. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour nous asseoir. Chacun de nous va mettre sa main droite sur son cœur. Répétez ma prière ce matin. Seigneur Jésus. Je vais écouter ta voix. Parle à mon cœur. Remplis mon cœur de ta parole. En chantant ce matin, mon cœur soit rassasié de ta parole. Mon cœur soit délivré, soit guéri de toutes les déçus au travers de ta parole. Seigneur mon Dieu, ce matin, parle-moi, ouvre mes oreilles et mon entendement spirituel. Je vais écouter ta voix au travers de ta parole. Sauve ma destinée, sauve ma vie et sauve ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour la grâce que tu me donnes d'écouter, de prêcher ta parole et d'enseigner ta parole. Saint-Esprit, aide-moi. Père, je prie qu'il est calme et que la tranquillité, que la puissance, la gloire règne dans cette salle. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons parler ce matin sur les critères ou les profils de l'homme ou de la femme avec qui on doit se marier. Parce qu'on ne doit pas se marier avec n'importe qui. Il y a des critères bibliques qu'un chrétien doit tenir compte s'il ne veut pas échouer dans sa relation avec le mariage.
Bien-aimé, le mariage n'est pas un passe-temps. Le mariage n'est pas un accident. Le mariage n'est pas une imagination humaine. Le mariage, c'est une institution divine. Amen. Dieu est le créateur du mariage. Dieu est le bâtisseur du mariage. Dieu est l'architecte du mariage. Dieu défend la famille et le couple. Amen. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et la Bible dit, par rapport à ces versets que nous allons lire, quand Dieu a créé l'homme, il a pris l'homme de la poussière et Dieu l'a créé. Dieu a créé tous les animaux, les oiseaux du ciel. Et il a fait venir l'homme pour que l'homme donne les noms à tous ces animaux et à ces oiseaux du ciel. Amen. Amen. Mais l'homme a ressenti, malgré l'autorité, malgré le pouvoir que Dieu leur a donné, de donner les noms à tous les animaux et à tous les oiseaux du ciel. Mais l'homme a senti un vide dans sa propre vie. Amen. Amen. Alors Dieu, dans sa sagesse, il a endormi l'homme et il prend sa corde. C'est pour cela, si tu es un homme, si tu es un homme, donc ta corde a été prise pour former une femme. Et si tu es une femme, c'est-à-dire tu viens de la côte d'un homme. C'est pour cela qu'il est important pour ta vie de trouver la côte qui te convient. Si tu ne veux pas échouer dans ta relation du mariage. Quand Dieu a endormi l'homme, il a pris la côte. Il a créé la femme. Et quand l'homme s'est réveillé, quand il a vu la femme, il a dit, cette fois-ci, donc les fois passées, c'était pas très bon. Malgré que j'ai donné le nom aux animaux, aux oiseaux, c'était pas très bon. Mais quand il a vu la femme, il dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Et c'est la chair de la chair. On l'appelle la femme parce qu'elle est sortie de la côte de l'homme. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi ce matin. Vous ne devez pas jouer avec les mariages. Les mariages ne peuvent pas être comparés à un bus de banlieue. Tu prends, tu descends. Et c'est tout. Lorsque tu es dans les véhicules de mariage, quel que soit le problème, tu dois y rester. Amen. Tu dois y rester. Amen. C'est pourquoi avant de se marier, il faut s'asseoir. Amen. Il faut réfléchir. Il faut analyser. Amen. Amen. Sur le choix de la personne qui sera demain ton mari ou ta femme. Amen. Amen. Quand je vois, surtout les soeurs, des gens qui se précipitent au mariage, parce que simplement, ils n'ont jamais compris le but pour lequel Dieu a créé le mariage. Amen. Vous devez d'abord bien me comprendre pourquoi Dieu a créé le mariage. Si vous ne connaissez pas ses buts, vous ne pourrez pas jouir le mariage. Bien aimé, le mariage est beau. Amen. Le mariage est beau parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Pourquoi les gens souffrent alors? Parce que très souvent, même les chrétiens sont ignorants du but pour lequel tu as créé le mariage. Et si tu ne sais pas pourquoi tu as créé le mariage, tu ne peux pas en jouir. Et si tu ne peux pas en jouir, tu ne peux pas t'épanouir. Et si tu ne peux pas t'épanouir, tu seras troublé et frustré. Et cela peut hypothéquer ta destinée. Amen. Il faut comprendre. Tu veux te marier. Où c'est qu'ils sont mariés? Mais pourquoi tu es marié? Aujourd'hui, les gens se marient. Parce que simplement, le frère ou la soeur n'a pas de papier. Et quelqu'un qui a de papier, tu le prends le mariage. Juste c'est pour que ça se marie. Je comprends pourquoi les gens souffrent aujourd'hui. Amen. Frère et soeur, on ne se marie pas pour avoir des rapports sexuels. Amen.
Parce qu'il n'y a plus pas de gens qui font des rapports sexuels. De quoi ça va se marier? Ce n'est pas le but du mariage. Bien que les rapports sexuels, une bénédiction dans les foyers. Mais on ne se marie pas pour ça. Alléluia. Amen. On ne se marie pas parce qu'on a 30 ans. Voilà pourquoi les jeunes femmes aujourd'hui, des jeunes sœurs aujourd'hui, sont en train de se brader. Amen. Alléluia. De se brader. Amen. Et je pèse les mots. Sont en train de se solder. Parce que simplement, ils ont 30 ans. Elles ont 30 ans. Alléluia. Amen. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Alléluia. La plupart des gens, les enfants ne sont pas mariés. Amen. Alléluia. Amen. On ne se marie pas par pression familiale. Amen. Mes frères, ni votre oncle, écoutez-moi ce matin, ni votre tante, ni vos parents n'ont le droit de vous choisir un mari ou une femme. Amen. Et ni votre pasteur. Amen. Si vous cédez à la pression familiale, vous souffrirez. Amen. 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 Les choix de l'homme qui doit devenir ton mari plus tard, les choix de la femme qui doit devenir ta femme plus tard, ces choix-là t'appartiennent toi. N'appartiennent pas ni à ton père, ni à ta mère. Tu peux écouter leurs conseils, mais la décision finale revient à toi. Amen. Amen. Et je vais parler aux parents ici. Vous qui faites la pression à l'église, à vos enfants. Vous êtes à l'église. Vous venez à l'église. Soi-disant, vous êtes chrétien. Toi, quand tu as choisi ton mari, qui a choisi ta place? Quand tu as choisi ta femme, qui a choisi ta place? Pourquoi tu veux choisir le mari de ta fille ou de ta nièce? Mes soeurs, mes frères, refusez que quelqu'un choisisse un mari, une femme pour toi. Refusez. Amen. Refusez. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent, lorsque le choix de ton mari, de ta femme, ne vient pas de toi, il vient de tes parents ou de tes membres de famille. Toi, tu as tes critères, mais eux aussi ont leurs critères. Amen. Souvent, ils vont te choisir un mari parce qu'il donne l'argent. Amen. On va leur avoir prêté. Juste ça. C'est pourquoi juste ça qu'ils veulent te marier. C'est juste ça. Amen. C'est juste ça. Si tu suis tes parents, si tu suis ta membre de famille, ma soeur, mon frère, tu vas hypothéquer ta destinée. Amen. La décision finale sur le choix des noms, sur le choix, bien aimé, je connais beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui. Des destinées qui sont prises aujourd'hui. Parce que simplement, le choix ne venait pas demain. Le choix ne venait pas demain. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais se marier, frères et sœurs. Parce que la femme est belle. Amen. Ou l'homme est beau. Amen. Vous savez, la beauté, elle est passagère. Amen. Elle est passagère. Mais combien de gens, surtout le seul, à l'homme est beau. Et mais je veux vous dire, les mariages n'est pas une question de corps. Le mariage est une question de cœur. Le mariage n'est pas une rencontre de corps. Le mariage, c'est une rencontre de cœur. Vous ne donnez pas votre cœur à n'importe qui. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Vous qui êtes célibataire. Et même vous qui êtes marié. Ton cœur, ma soeur, mon frère, tu ne les donnes pas n'importe qui. Pour que quelqu'un puisse avoir ton cœur, il doit le mériter. Amen. Quelqu'un dit l'amen. Amen. Il doit le mériter. Amen. Combien de vies sont brisées? Combien de cœurs sont brisés? Et les destins sont brisés? Parce que les gens ont pris les choses à la légère. Ils ont donné leur cœur à n'importe qui. À l'homme qui ne mérite pas son cœur. À la femme qui ne méritait pas son cœur. Ton cœur est précieux pour toi. Bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre l'importance du mariage. Que Dieu donne une importance incroyable au mariage que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que chaque fois qu'il y a un mariage, Dieu est heureux. Amen.
le ciel est heureux quand il m'arrête. Amen. Voilà pourquoi quand vous regardez sur la terre, il n'y a aucune institution qui est célébrée comme le mariage. Amen. Parce que cela vient de Dieu. Amen. Amen. Vous devez comprendre, frères et sœurs, pourquoi vous mariez? Pourquoi vous êtes à la quête du mariage? Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous mariez, vous allez appeler les turbulences dans votre vie. Amen. Amen. Et lorsque les turbulences viennent dans votre relation de mariage, vous pouvez empêcher le plan parfait d'être sur votre vie. Parce qu'on se marie pour accomplir un but divin. Amen. 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 C'est pour cela qu'il est important, frères et sœurs. Vous pouvez connaître les critères qui sont bibliques. C'est pour cela qu'il est impossible, frères et sœurs, que quelqu'un reçoive son mariage en dehors de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela les critères, frères et sœurs, qui nous aident à choisir un homme, une femme, doit être bien défini par la parole de Dieu. Amen. 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 Ma chère, mon frère, tu peux te précipiter dans le mariage. Entrer dans le mariage. Mais c'est difficile de sortir des mariages. Amen. 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 Mais c'est difficile de sortir d'une relation de mariage. Parce que je veux vous dire, bien aimé, le mariage est plus puissant que le lien familial. Amen. Combien de gens sont séparés de la famille parce qu'ils tiennent à sa femme, parce qu'ils tiennent à son mari. Amen. Combien de gens, 50, 10 ans, ils n'ont jamais vu leur famille, leurs parents, parce qu'ils tiennent à sa femme, ils tiennent à son mari. Le mariage est plus puissant que le lien familial. C'est pourquoi vous ne pouvez pas jouer avec le mariage. Tu tombes sur un mauvais mari, il peut te séparer de ta famille. Amen. 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 Tu tombes sur une mauvaise femme, il peut te séparer de ta famille. Amen. Le mariage est plus puissant que le lien familial. C'est pourquoi vous ne devez pas jouer, frères et sœurs, sur les critères et les profils de l'homme ou de la femme qui sera demain ton futur mari ou ta future femme. Tu vas jouer avec ça. Les gens souffrent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont juré de ne plus se marier. Prenez le temps, frères et sœurs, alléluia. Parce que tout ce qui se passe dans les fiançailles, ce n'est pas ça qui va se passer dans la maison. Prenez le temps d'examiner. Si vous entrez, frères et sœurs, dans les mariages, le yeux fermé, vous ne resterez pas sans ouvrir les yeux. Parce que c'est un certain moment, vos yeux vont s'ouvrir. Amen. Ah, tu m'as trompé, c'est trop tard, tu es le mariage. Amen. Combien de gens entrent les yeux fermés? Les yeux fermés. Mais quand tu seras dans le mariage, que tu veux ou pas, tu ouvriras tes yeux. Amen. Tu ouvriras tes yeux. Prenez le temps de s'asseoir. Prenez le temps d'analyser. De réfléchir. Prenez le temps de prier. Amen. Alléluia. Amen. Priez. Parce que bien aimé, si tu te maries avec un homme, une femme, qui n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie, tu détruis ta destinée. Amen. Et les conséquences sont graves. C'est tragique, frère et soeur, pour un homme ou pour une femme de choisir une mauvaise côte. Posez-vous la question. Pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi les gens se précipitent au mariage, surtout les jeunes frères, les jeunes soeurs? Quand il arrive à 30 ans, n'importe qui vient, il prend. Il ne réfléchit pas, il prend. Mais les gens sont morts parce qu'ils ont choisi un mauvais mari ou une mauvaise femme. Amen. Qu'est-ce qui t'a poussé de choisir l'homme ou la femme que tu as aujourd'hui? C'est pourquoi peut-être aujourd'hui tu souffres. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ne courez pas derrière un homme. Amen. Parce qu'il a l'argent. Je vous dis la vérité. Amen. Mais il y a beaucoup de gens. Écoutez-moi ce matin. Que Dieu ouvre votre entendement spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argent. Il a donné à la femme la voiture, des maisons et un chauffeur pour sa femme. Parce qu'il a mis c'est l'argent. Mais la femme couche avec le chauffeur. Amen. 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 Amen.
Écoutons, le monsieur a l'argent. Mais son chauffeur ou son garde du corps couche avec sa femme. Ne courez pas derrière un homme, une femme, parce qu'il a l'argent. Ne courez pas parce qu'il a des biens matériels. Surtout ici en Europe. Je connais des soeurs, je connais des frères. Leur quitter pour les joies, est-ce qu'il y a des papiers? La première question. Amen. Amen. Est-ce que tu travailles? Tu gagnes combien? Amen. Amen. Si le frère lui dit, bon, moi je gagne tant, il compare avec son salaire. Il dit, mais comment lui gagne tant, moi tant, mais non. Moi il faut qu'un homme puisse bien aimer. Ce n'est pas ça qui compte le mariage. Amen. Mais quand tu es marié, il faut que tu sois épanoui dans ton mariage. Amen. Les cœurs sont brisés. Des gens souffrent. Beaucoup de gens sont passés à bord des suicides. Bien aimé, à part l'enfer, écoutez-moi, à part l'enfer sous la terre, rien n'est pire qu'un divorce. Amen. Rien n'est pire qu'une détresse conjugale. Amen. Il y a des gens, bien aimés, dans sa maison, il y a à boire, il y a à manger, mais qui mangent pas, qui ne boivent pas, parce que son cœur est brisé. Bien aimé, c'est grave et c'est difficile de vivre avec un homme et une femme. Vous entrez dans la même toilette, vous entrez dans la même chambre, le même salon, la même porte, vous dans le même lit. Quand vous ne vous entendez pas, c'est pire que l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Mais si c'est ton cas, après ces enseignements, même ce soir, tu dois aller te répentir. Amen. Tu dois aller te répentir. Amen. Non, parce que ce monsieur-là va m'amener en Europe. Il va m'amener aux États-Unis. J'ai dit oui. Maintenant tu souffres, tu as oublié l'Europe. Amen. Tu as oublié les États-Unis. Si c'est ton cas, tu dois aller te répandre. On ne choisit pas un homme comme ça. Parce que bien aimé, les partenaires avec qui tu vas vivre ta vie, ta destinée avec cet homme-là, cette femme, ils sont liés. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont liés. C'est pourquoi on ne doit pas se marier avec les autres. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le mariage, c'est une relation d'alliance. Amen. Et on n'entre pas en alliance avec n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Ils font alliance. Si vous, les sœurs, vous ne devez pas porter le nom de n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez le temps de réfléchir, mes soeurs. Priez. Ne regardez pas. Parce que tout autour de toi, les gens se marient. Et toi, tu ne maries pas. Ne regarde pas quand il fait hiver. Tu n'as personne pour te chauffer. Amen. Ne regarde pas ça. Amen. Parce qu'un jour, quand ça ne marchera pas dans ton foyer, tu vas tout oublier. Et tu ne veux pas te rendre compte qu'il y aurait arrivé. Alors que tu t'es marié. Parce qu'un jour tu as arrêté ma foi. Et la personne pour te chauffer. Alléluia. On ne se marie pas parce qu'on est seul. Amen. Amen. Bien aimé, parce qu'il y a des gens qui sont seuls, qui sont heureux. Et ceux qui sont mariés qui sont malheureux. Amen. On ne se marie pas parce qu'on est seul. Alléluia. Parce que beaucoup de frères et beaucoup de soeurs se pensent dans leur esprit. Si je me marie, les choses iront bien pour ma vie. Si je me marie, je serai heureux dans ma vie. Mais si c'est tombé, alléluia. Si j'ai un mari dans ma vie, si j'ai un homme dans ma vie, si j'ai une femme dans ma vie, je serai heureux. Bien, mais je vous dis une chose. Il y a certaines choses dans votre vie. Amen. Un homme ne peut pas vous les donner. Merci pour vos amis. Amen. Il y a certaines choses, un homme ne vous donnera pas. La joie, l'homme ne te donne pas. Amen. La paix, un homme ne te donne pas. Amen. Il y a quelque chose qui donne la paix. Amen. Donc si tu te maries simplement parce que je ne suis pas dans la joie, je ne suis pas en paix, je suis troublé, tu te trompes. Parce que les choses, il y a quelque chose qui la donne. Amen. Par un homme. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Les gens ne savent pas pourquoi ils se marient. Vous voulez vous marier? Les gens à tout prix. Et là, je suis pasteur. Partout où je vais, les gens veulent me voir pasteur. Puis pour moi, je veux me marier.
Je serai même dans une église, je ne sais pas dans si il va aller très très loin d'elle. Après que il s'est fait me voir, il dit, pasteur, prie pour moi, je vais avoir des enfants. Je lui dis, tu es marié? Non. Je lui dis, je prie pas pour toi. Et tu vas faire comment? Le Saint-Esprit descend simplement sur le mari, pas sur tout le monde. Amen. Amen. Posez-vous la question, pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi tu fais rentrer le mariage? Quels sont les motifs qui te prend pour que à tout prix tu veux te marier? Mais simplement parce que les gens sont plus bien. Mais le mariage n'est pas un jeu. Amen. Priez afin que Dieu te donne l'homme ou la femme qu'il a prévu pour ta vie. Et quand tu as cette femme-là, cet homme-là, il n'y aura pas à manger à la maison. Il n'y aura pas à boire à la maison. Tu ne pourras pas t'habiller, mais tu seras heureux. Amen. Parce qu'à manger, à boire, les habits ne rendent pas les gens heureux. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont des habits, Amen, qui ont de l'argent, qui ont à manger, à boire. C'est bloc tous les jours. Amen. Et c'est bloc tous les jours. Raison. Parce que dans ton mariage, ta destinée est comptée. Amen. Faites très attention, mes soeurs. Très attention, mes frères. Regarde les gens, c'est presque dans les mariages. Beaucoup de cœurs sont brisés. Bien aimé, je vous dis la vérité, il y a des hommes qui ont des femmes qui ne veulent pas voir. Il y a des femmes qui ont des maris qui ne veulent pas voir. Et qui se posent la question aujourd'hui. Je parle à un couple. Il me pose la question, mon pasteur. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Comment j'ai pu aimer cet homme-là? Oui, mesdames, c'est sûr. Quand cette soeur-là me parlait, je sentais l'amertume dans son cœur. Je sentais qu'elle était brisée à l'intérieur. Qu'elle était brisée à l'intérieur. Elle dit, je souffre, pasteur. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui m'avait pris de pousser éternellement? Et le problème, les gens se posent la question toujours après. Amen. Voilà pourquoi l'important de cet enseignement. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ou la femme que Dieu te donne, c'est pour accomplir un mandat. Amen. Parce que, bien aimé, Dieu n'unit pas les gens, deux personnes ensemble pour rien. Alléluia. Amen. Il n'unit pas les gens pour rien. Quand Dieu vous unit avec un homme, avec une femme, c'est que derrière Dieu a un plan. Amen. Alléluia. Et il est important de savoir que Dieu est contre les divorces. Amen. Amen. Dieu est contre les divorces. Quand on entre dans les véhicules du mariage, tu ne descends plus. Amen. Ton bus de RATP que tu prends là, il y a plusieurs arrêts. Mais dans les bus du mariage, il n'y a pas d'arrêt. C'est le terminus en terminus. Amen. Quand tu entres dans ces véhicules-là, il n'y a pas d'arrêt. Alléluia. Amen. Donc avant d'y entrer, réfléchis. Amen. Ne dis pas demain, je ne savais pas. Je dis pas demain, on va divorcer. On va dans la mairie, on va. Non. Quand tu es dans ce bus-là, du mariage-là, c'est de terminus à terminus. Tu ne sens pas pour demain. Quels que soient les problèmes que tu vis. Parce que Dieu est contre les divorces. Alléluia. Amen. Jésus disait exactement ce que Dieu a uni. L'homme ne sait pas. Alléluia. Amen. C'est pour cela que moi, j'ai pris l'engagement. Je ne séparerai jamais un couple. Amen. 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 Pasteur, il va me tuer. Là, quand tu es tué. Alléluia. Amen. Pasteur, il va me faire ceci. Il n'a qu'à faire ça. Tu te vois avant. Si tu veux divorcer, c'est ta responsabilité. Mais pas la mienne. Amen. Dieu est contre le divorce. Amen. 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 Dieu n'aime pas le divorce. Mais lorsqu'il y a mariage, Dieu est heureux. Mes soeurs, mes frères, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Si tu es une femme, c'est que tu es sorti de la porte de quelqu'un. Amen. Prie Dieu que Dieu ramène cette porte. Amen. Prie Dieu. Et cette porte-là existe. Parce que la Bible dit que Dieu a endormi l'homme. Il a pris la porte de l'homme. Il a créé une femme. Donc tu ne viens pas du néant. Tu sors de la corde de quelqu'un. Prie Dieu que Dieu ramène cette personne vers toi. Amen.
Et quand tu trouves cette personne-là, tu sentiras que ton cœur est heureux. Mais oui, il me fallait un homme comme ça dans la vie. Amen. Amen. Mais les gens courent les mariages. Même les chrétiens. Ils vont même dans les sites internet de célibataires. Des chrétiens. Il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps de gêner. Il n'a pas le temps de réfléchir des pensées. Toujours avec nos deux têtes. Il clique. Il cherche. Tu vas tomber sur un sorcier. Amen. Amen. Parce que bien aimé, c'est pour ça que je vous conseille ce matin. Quand vous êtes dans une situation donnée, soyez en paix. Amen. Parce que le diable utilise ton trouble. Amen. Pour t'amener dans des choses que tu ne pouvais pas penser faire un jour. Ne soyez jamais troublé quand tu traverses une situation difficile. Amen. Ne soyez jamais troublé. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la paix et dans le calme que vient le repos. Amen. C'est dans la tranquillité que vient le salut. Amen. Quand, bien aimé, dans ta soif et ta préoccupation, ton désir ardent, à tout prix un homme, tu vas tomber sur un mauvais homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça les diables attendent la vie des gens. Ils choisissent, ils voient que tu as tellement besoin de telle chose. Amen. Il va t'amener cette chose-là, mais d'une mauvaise couleur. Amen. Comme ça, quand tu vas voir, tu dis c'est ça, la vérité, c'est pas ça. Bien aimé, le mariage est très celui. Pourquoi je vous le dis? Parce que regardez autour de vous. Très peu de gens reçussent leur vie après le divorce. Beaucoup de destinées ont été détruites après le divorce. Très peu de gens se relèvent après un divorce. La plupart des gens qui ont été mariés, qui ont divorcé, ou les mariages étaient brisés, ils ont été brisés. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, vivre avec un homme, avec une femme, 10 ans, 20 ans, avec des enfants, alléluia. Amen. Si le mariage brise, tu seras brisé. Amen. Très peu de gens, bien aimés, aujourd'hui ont pris la décision, je vais rester seul. Je vais rester seul parce qu'ils ont fait une mauvaise expérience dans les mariages. Amen. Je vais rester seul. C'est pas les hommes ne viennent pas les draguer. Les hommes viennent, mais disent, je vais rester seul. Amen. À cause de la mauvaise expérience divorcée. Il y a des hommes qui disent, non, je vais rester seul. À cause de la mauvaise expérience du passé. C'est pour cela, il faut prier. Amen. 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 Il faut prier. Mais pensez pas, mon frère, ma soeur, si j'ai un mari, je serai heureuse. Arrêtez de penser comme ça. Arrêtez de penser comme ça. Va demander un père à ceux qui ont des maris, ils vont te dire. Pendant que tu les convoites et te convoites. Va voir ces gens-là. Arrêtez de penser, si demain je me marie, je serai heureuse. Tout ira bien pour ma vie. Non. Et je dis non. Si tu ne trouves pas ta côte, la femme ou l'homme que Dieu a destiné pour ta vie, tu souffriras. Amen. 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 Tu souffriras. Tu souffriras. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Amen. Amen. Beaucoup de gens souffrent. Que ce soit des hommes et des femmes souffrent. Ne soyez pas pressés dans les choix d'un conjoint. Ne soyez jamais pressés. Prenez ton temps. Et méfiez-vous des hommes qui viennent vers vous. Tu les connais au mois de mars. Au mois de mai, il y a un mariage. Méfiez-vous de tels hommes. Certainement, ils ont des choses à cacher. Alléluia. Amen. La période des fiançailles existe. Amen. C'est pendant cette période que tu peux connaître qui est qui. Amen. 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 Méfiez-vous des hommes qui sont tellement pressés. J'ai mon argent. Moi, je suis pressé. Pose la question, tu étais où avant? Pour qu'on se rencontre, bizarrement, tu es pressé. Tu étais où avant? Alléluia! Amen. Prenez le temps, frères et sœurs. Amen. Amen! Prenez le temps. Lorsque tu rencontres, prenez le temps. Mais ce n'est pas au chantage. Si tu ne veux pas, je vais partir. Tu n'as qu'à partir. Amen. Mais pendant ce temps-là, tu peux lui poser la question. Toi, tu as 40 ans. À 40 ans, tu touches chaque année. Amen. Pourquoi tu ne te maries pas? Amen. Parce que, bien aimé, lorsque tu commences à parler à quelqu'un, qui veut commencer à te dévoiler son cœur. Pourquoi à 40 ans, tu ne te maries pas? Tu peux poser la question.
Parce qu'un homme peut choisir de se marier à n'importe quel âge. À 20 ans, on peut se marier. Mais vous voyez, monsieur, à 40 ans, il est célibataire. Pose-moi une question. Pourquoi tu te maries? Alléluia. Amen. S'il était divorcé, pose-moi la question. Pourquoi tu es divorcé? Amen. Amen. Est-ce que c'est la faute de la femme qui est partie ou c'est ta faute? Parce que, frère et soeur, si tu t'es marié avec un divorcé et que la personne était l'auteur du divorce, si tu t'es marié avec la personne, tu vas partager sa malédiction. Amen. Bien-aimé, toute personne qui a brisé la loi du mariage est sous la malédiction. La Bible dit ce que j'ai uni, personne ne peut séparer. Et toi, tu as séparé. Et toi, tu as séparé. Alléluia. Pose-moi la question. Prenez dans les discuter. Ne sois pas pressé à les présenter à tes amis, ni à ta famille. Les amis et la famille vont t'influencer. Amen. Tu vois, il est beau. Ne loue pas l'occasion. Si aussi moi j'étais à ta place, je prenais ma valise, j'allais habiter déjà chez lui. Alléluia. Amen. Et après les gens pleurent. Amen. Amen. Les mariages, c'est question de cœur. Mais lorsque ton cœur rencontre un autre cœur, vous sentez que vous avez la vie. Amen. 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 Vous sentez que vous avez la vie. Vous comprenez. Amen. Vous êtes ensemble de cœur. Vous avez la même vision. Vous avez la même pensée. Quand tu commences à penser quelque chose, on dirait que tu lui as dit, elle commence à penser la même chose que toi. Parce que votre cœur sont rencontrés. Cherchez un homme et une femme avec qui vos cœurs soient ensemble. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est très important. Amen. Ne vous mariez pas sans savoir pourquoi vous vous mariez. Dans les mariages, bien aimé, il y a la jouissance. Les mariages sont heureux. Les mariages sont très heureux. Et d'ailleurs, Dieu ne peut créer que des choses qui sont heureuses. Aujourd'hui, pourquoi les gens sont malheureux? Parce que les gens sont entrés dans les mariages sans définir les critères qui sont bibliques. Ils se marient comme ça. Bon, frère et soeur, je vous garantis. Parce que c'est Dieu qui crée le mariage. Et tu ne peux pas réussir dans ton mariage sans Dieu. Amen. 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 Tu vas réussir dans ton mariage sans Dieu. Voilà les premiers critères que nous allons voir aujourd'hui. Et ça, c'est les premiers critères. De Corinthiens 6, versets 14 à 15. Alors, je te dis de me lire, tu n'as pas entendu. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. 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 Regardez ce que la Bible dit. Mais si nous menons notre vie selon la parole de Dieu, certainement nous serons tranquilles dans la vie. Amen. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Dieu, les temples de Dieu et les temples des idoles? Amen. Amen. La Bible pose la question. Le premier critère, ma soeur, parce que là nous parlons d'abord pour les femmes. Amen. Amen. Nous parlons d'abord pour les femmes. Le premier critère que tu dois tenir compte dans les choix des maris. Le premier critère. L'homme doit d'abord être né de nouveau. Amen. Amen. Merci. Amen. Quand tu rencontres un homme qui vient te proposer un mariage, la première chose à savoir, que tu dois chercher à savoir, si l'homme est né de nouveau. Amen. S'il n'est pas né de nouveau, ne continuez pas. Amen. 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 Amen.
Il faut que l'homme soit de nouveau. Un homme est de nouveau. C'est un homme qui est réconcilié avec Dieu. Amen. 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 Écoutez-moi ce matin, mes frères et mes soeurs. Mes soeurs. La Bible ne dit pas il faut que cet homme aille à l'église. Quelqu'un peut aller à l'église et être de nouveau. Amen. La Bible ne dit pas qu'il faut que cet homme-là soit chantre à l'église. Soit diacre à l'église. Soit pasteur à l'église. Parce qu'être des chantres, être des musiciens, être des pasteurs, être des diacres, il y en a qui ne sont pas convertis. Amen. Amen. Et très souvent, quand tu parles avec des jeunes filles, qui trouvent un homme, ma soeur, est-ce qu'il est converti? Donc, parce qu'il va à l'église. Amen. Amen. Il faut qu'il soit sûr. Sinon, bien aimé, tu es bien parti. Ma soeur, tu es bien parti pour les catastrophes de la vie. Amen. Lorsque cet homme-là n'est pas converti, n'est pas mené de vous. Ne te marie pas, ma soeur. Dieu est de vous sauver ses mains. Ne prenez pas en mariage un homme qui n'est pas né de nouveau. Amen. Tu es bien parti pour vivre des sérieux problèmes d'abord dans ton mariage. Amen. Alléluia. Amen. Il doit d'abord connaître Dieu. Le Dieu qui a créé le mariage. Amen. Sinon, tu ne vas pas faire cet effort. Amen. Amen. Et souvent, des jeunes filles me posent la question. J'étais parti en Irlande. Quatre jeunes filles me voir parce qu'on va te poser des questions. Des pasteurs, maintenant si les chrétiens ne viennent pas. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est par la foi. Amen. Écoutez-moi ce matin. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans votre domaine, les choses auxquelles vous ne croyez pas ne viendra pas sur votre vie. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Vous devez croire que parce que la Bible dit, il faut que ce soit né de nouveau. Moi, l'homme qui vient dans ma vie, il sera né de nouveau. Amen. C'est tout. Amen. Tu ne crois pas. Dieu ne donne pas des choses, frères et sœurs, auxquelles nous ne croyons pas. Amen. C'est pourquoi si tu as 30 ans, si tu as 32 ans, tu as 37, si tu commences à croire que tu vas te marier, tu ne te marieras pas. Amen. Tu ne te marieras pas. Parce que Dieu ne donne pas des choses auxquelles nous ne croyons pas. Mais si tu continues à croire, parce que tu honores la foi, quel que soit mon âge, un homme viendra d'ailleurs, qui ne veut pas le mariage. Amen. Cet homme-là viendra. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit un homme réconcilié avec Dieu. Il faut qu'il soit un homme qui a la vie de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un est converti, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il reçoit la vie de Dieu. Amen. 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 Et tu peux savoir si quelqu'un a la vie de Dieu. Tu peux le savoir. Une personne bien aimée, dont le Saint-Esprit entre dans son corps, dans son corps devient temple du Saint-Esprit. Tu peux le savoir. Parce que, écoutez-moi ce matin, on va parler sérieusement. Lorsque quelqu'un reçoit la vie de Dieu, il y a des choses qu'il peut plus faire. Amen. Vous me comprenez pas. Amen. Lorsque quelqu'un reçoit réellement la vie de Dieu, il y a des choses qu'il n'arrive plus à faire. Amen. Quand je vois dans les églises, des soeurs et des frères qui nous sont dans la jalousie, dans la haine, dans le monde de pardon, parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Amen. Parce que quand la vie de Dieu est en toi, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Parce que la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient en toi, il chassera ces choses dans ta vie. Lorsque quelqu'un reçoit la vie de Dieu, il bascule dans une autre dimension. Comment tu peux avoir la vie de Dieu et tu haïsses les gens? Tu haïsses les gens. Que les gens souffrent, c'est bien, tu es content. Mais Dieu, tu n'as pas la vie de Dieu. Mais quand tu as la vie de Dieu, il y a des choses. Alléluia. Amen. Même il voit 2000 euros, il ne voit pas. Amen. Quand il prend une main dans sa poche, il s'arrête. C'est la vie de Dieu qui nous donne le nom. Tu n'es plus dans ces choses-là. Laisse tomber l'argent. Mais quand quelqu'un vient, il prend, il met dans sa poche, il va dormir tranquillement. On dit, mais il y avait l'argent. Non, c'est pas vrai. Mais je n'ai jamais ma vie. Il n'a pas la vie de Dieu. Il n'a pas la vie. Et ne te marie pas avec un homme qui n'a pas la vie de Dieu. Amen. Dans sa vie. Alléluia. Amen.
premier critère. Il faut que cet homme-là soit né de nouveau. Alors, vous me posez la question. À ce que son mari. Il dit, pasteur, moi, quand j'ai connu mon mari, quand j'ai connu ma femme, on n'était pas encore sauvé. Maintenant, ma soeur, si tu es sauvé et que ton mari n'est pas encore sauvé, tu dois comprendre que le salut de ton mari est en route. Amen. La Bible dit une femme qui sait si toi tu sauveras ton mari. Amen. Mon frère, si maintenant tu es sauvé et que ta femme ne doit pas encore sauver, tu dois comprendre que le salut de ta femme est en route. Amen. La Bible dit Marie qui sait si tu sauveras ta femme. Amen. Mais pour des soeurs qui ont connu Dieu, qui sont nés de nouveau et qui sont partis choisir un païen, vous devez vous repentir. Parce que vous avez foulé au pied la parole de Dieu. Vous avez défié l'autorité de la parole de Dieu en choisissant un homme qui n'est pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois te repentir. Il faut que la personne soit née de nouveau. Il faut que la vie de Dieu soit en lui. Une personne née de nouveau, une personne qui est la vie de Dieu, c'est une personne qui est en relation avec Dieu. Alléluia. Mes soeurs, vous mariez avec un homme. Écoutez-moi cela. Avec un homme qui n'a aucune relation avec Dieu. Tôt ou tard, ce mariage-là échouera. Amen. Tôt ou tard. Si cet homme-là n'a pas de relation avec Dieu, tôt ou tard, les mariages échouent. N'allez pas au mariage. Mes soeurs, alléluia. Amen. N'allez pas au mariage avec un homme qui n'a pas la vie de Dieu. Amen. Qui n'a pas de relation avec Dieu. Amen. N'allez pas au mariage avec cet homme-là. Tu souffriras. Peu importe sa beauté, peu importe son argent, si c'est un païen, n'allez pas au mariage avec cet homme-là. Alléluia. Amen. Tu souffriras. Le premier mariage que Dieu a béni, c'est le mariage d'Adam et Ève. Avant la chute, Adam avait une relation avec Dieu. Dieu venait le voir. Dieu venait leur parler. S'entretenir avec eux. Amen. Là, mes soeurs, s'il te plaît, parents, avertissez vos filles. Avertissez vos nièces. Qu'ils n'aillent pas au mariage avec une personne dont ils savent qu'ils n'ont pas la relation avec Dieu. Et tu peux savoir, frères et sœurs, si quelqu'un n'a pas la relation avec Dieu. Tu peux savoir. Son comportement, son langage, tu peux le savoir. Il faut au départ que cet homme puisse avoir une relation avec Dieu. Et comment aujourd'hui, bien-aimés, vous ne pouvez pas défier la parole de Dieu. Dieu est plus intelligent que nous. Et comment les sœurs font aujourd'hui? Les sœurs, comment ils font aujourd'hui? Tellement ils sont à la queue du mariage. Ils vont trouver un païen. Il dit non, je t'amène à l'église. Il fera semblant à l'église. Amen. Amen. Tu verras à l'église aussi. Il lève les mains. Quand tu regardes, changer. Tu vois aussi en train de prier. Oh Seigneur, je vais bénir. Mais quand vous allez vous marier, c'est là que tu vas te rendre compte que tu t'es marié non pas avec quelqu'un qui a la vie de Dieu, mais avec un boxeur. Amen. 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 Ne prenez pas un païen et ne l'amenez pas à l'église. Tellement tu cherches le mariage, un païen vient, tu prends et dis bon, on va à l'église. Et puis il va dire, on va à l'église. Mais l'église ne change pas le cœur. C'est Dieu qui change le cœur. Il faut se marier avec un homme dont le cœur a été touché par Dieu. Dont le cœur a changé. Sinon tu es bien parti pour vivre les catastrophes dans la vie. C'est marié avec un païen. Tu te prépares, ma soeur, mon frère, au désastre dans les mariages. Il faut que cet homme soit réconcilié. Oh, il est pasteur, bien aimé, il est pasteur qui ne sont pas convertis. Amen. Il dit la vérité. Amen, amen, amen. Amen, papa. C'est la vérité. Amen. Il est pasteur qui ne sont pas convertis. Amen, amen, amen. Ils prêchent des choses qui ne vivent pas eux par eux-mêmes. Amen. Ils sont pasteurs à la maison. Amen. Allez voir dans leur maison leur relation avec leur femme. Amen. Il est pasteur qui sont pasteurs à l'église. Amen.
que personne vous trompe. La Bible ne dit pas que non, il faut se marier avec un pasteur. Non. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu es un enfant de Dieu, donc tu es un enfant de lumière. Tu vas prendre un païen qui est un enfant des ténèbres. Quel rapport y a-t-il? La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Soit qu'il y a les ténèbres, soit qu'il y a la lumière. Mais pas les deux ensemble. Comment vous allez cohabiter dans une même maison? Tu vois, tu es dans la lumière et lui dans les ténèbres, ça ne marchera pas. Parce que la lumière chasse toujours les ténèbres. Voilà pourquoi ces couples-là ne s'entendent pas. Amen. Combien de gens sont venus vous voir? Combien de gens sont venus vous faire asseoir? Les parrains. Les parrains, les parrains, les pasteurs. Ces gens sont même fatigués. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne marchent jamais ensemble. Alléluia. Amen. C'est les premiers critères. Les premiers critères. Auquel de tenir compte. Cherche à savoir si le monsieur est né de nouveau. Pour savoir qu'il est de nouveau, regardez son entourage. S'il marche avec les païens, il sort avec les païens, il marche avec les païens, c'est que c'est un païen. Amen, amen, amen. 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 Choisis ces critères, frères et sœurs. Essaye de prendre le temps de voir si le monsieur est né de nouveau. S'il est réconcilié avec Dieu. Si quelqu'un qui aime Dieu. Si c'est Dieu. Si son cœur a réellement changé. Sa vie a réellement changé. Si c'est une personne qui a rencontré Dieu. Sinon, n'y allez pas avec cet homme-là. Alléluia. Amen. Les gens vont bouder. Les gens vont te qualifier. Tu as des démons de mari de nous. Tu lèves tous les hommes. Mon Seigneur Dieu va te dire, ma fille, tu as venu sauver ta destinée. Amen. 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 Mais si tu t'es marié avec un homme qui était païen, et à l'époque, toi, tu étais païen, gloire à Dieu. Maintenant, tu t'es converti, yes. Priez pour ton mari. Yes. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez aujourd'hui, la plupart des femmes dans les églises sont des intercesseurs. Amen. Amen. Remarquez dans l'église, les femmes prient beaucoup que les hommes. Amen. Parce que la plupart des femmes prient tellement ils viennent commander le foyer contre la volonté de venir intercesseur. Alléluia. Mais je dis, rien n'est pire, rien n'est pire sur la terre qu'une détresse conjugale. Amen. Je vis des gens maigrir. Je vis des gens souffrir. Je les regarde comme si je dis, oh ma soeur, c'est le problème. Elle dit, ah, mais ça va pas. Ne jouez pas avec votre destinée. Aujourd'hui, la plupart des femmes des églises intercèdent. Sont devenues contre le gré des intercesseurs. Parce que leur mari les fasse endurer des choses qu'ils ne supportent pas. La plupart des cœurs des femmes mariées sont blessés. Et à la fin de ce programme, j'ai prié pour tous les couples. La plupart des cœurs des femmes mariées sont blessés. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un est enfant de Dieu, son père, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. Donc Dieu est notre père. Maintenant, si quelqu'un est enfant du diable, son père, c'est qui? Diable. Vous imaginez, toi, ton père est Dieu. Nous, son père, le diable. Amen. Donc toi, ton beau-père, c'est le diable. Alléluia. Amen. Ça va marcher comment? Amen. Ça va marcher comment? Amen. Parce que lui, comme son père, est le diable. Le diable va commencer à l'injecter des choses. Tout est tôt, tout est suffi. Parce qu'un enfant de Dieu, son père, c'est Dieu. Un enfant du diable. Et bien, nous ne devons pas marcher les mots. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, il appartient au diable. Je suis disant aux pharisiens, vous avez comme père le diable. Vous allez vous entendre comment? Toi, tu es un enfant de Dieu et ton mari, ton futur mari, c'est un enfant du diable. Vous allez vous entendre comment? Alléluia. Amen. Dans un foyer où la lumière et les ténèbres vont cohabiter, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu, qu'avant de se marier, rends-toi compte si le monsieur est né de nouveau. Amen. Si le monsieur est converti. Si c'est un homme qui ne relâche pas avec Dieu. Si c'est un homme qui aime Dieu.
Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, ma soeur, coupez la relation. Amen. Coupez la relation. Il faut savoir compter sur Dieu. Moi, je comprends pas les gens. Les gens qui sont à l'église s'appellent chrétiens. Mais ils n'ont aucune confiance avec Dieu. Amen. Amen. Oh, s'il part, mais tu connais ton Dieu. Si cet homme-là est dans la plante de ta vie, s'il part, il reviendra. Amen. Mais vous jouez avec Dieu. Le problème des chrétiens des églises, ils ne connaissent pas Dieu. Oh non, s'il parle, je ne veux pas marcher. Mais avec Dieu, on ne loupe rien. Amen. Amen. Si cet homme-là est dans les plans de Dieu, alléluia, Amen. Il va aller prendre aussi notre copine. Tu vas voir, il va arriver. Amen. Mais non, c'est toi, la femme que j'ai épousée. Là où je suis parti là-bas, je me suis converti. Amen. Mais le problème des gens, oh non, s'il part, est-ce que tu connais Dieu? Amen. Tu crois que si pas, Dieu ne peut pas les ramener. S'il est de prendre pour ta vie, tu peux les ramener. Amen. Mais comme les gens ne connaissent pas Dieu, ah s'il part, c'est qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Et Dieu est en train de sauver ta vie. Amen. Mais s'il est de prendre de Dieu, alléluia, Amen. Même dans un rêve, il te verra dans un rêve. Amen. Il dit, retourne à la cour neuve là-bas. Amen. Ta femme est là-bas. Amen. Retourne là-bas. Amen. Tu vas voir, il rencontre quelqu'un. Tu n'as pas le téléphone de Sœur Françoise. Oh non, tu n'as pas le. Non, il faut que je te voie. Et tu poses la question, comment elle a trouvé mon téléphone? Comment je me trouve? Mais c'est les plans de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut que la personne soit réconciliée avec Dieu. Amen. Si vous posez des aînés, un homme qui n'est pas converti, qui n'est pas né de nouveau, tu ne seras pas heureuse. Amen. Tu ne seras pas heureuse. Amen. Si cet homme-là n'est pas né de nouveau, bien aimé, s'il n'aime pas Dieu, pose-toi la question, comment il va t'aider? Amen. Parce que Dieu est son chrétien, il n'aime pas. S'il ne connaît pas Dieu, comment il va te connaître? Amen. 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 Et aujourd'hui, les chrétiens ne tiennent pas compte de ça, surtout les seuls. Amen. Amen. Quand c'est mal, qui quand c'est mal. C'est pourquoi vous ne voulez pas vous brader. Amen. Amen. Certains frères viennent dans l'église pour chercher les femmes. Amen. Parce qu'il a calculé ton âge. Celle-là, elle a 29, 32 ans. Donc si je vais, ça sera OK. Mais dis ma soeur, mon frère, non. Amen. Ah, tu vois ton âge. Si toi tu le vois, Dieu le voit aussi. Amen. Je vois mon âge, mais non. Amen. Tu vois, je suis bien comme ça. Quand tu vas dormir, mais il y a des gens quand ils vont dormir, ils dorment. Il y a des femmes qui ne dorment pas la nuit. Ils lisent les plafonds. Alléluia. Amen. Les problèmes conjugaux, où parfois cet homme-là est violent, il est méchant, il t'insulte, il te frappe, il te lève un couteau. Alléluia. Amen. Je pose la question, je vais aller où? Quand je vais appeler ton nom, non, tu restes là-bas. On a bouffé l'argent, tu restes là-bas. Amen. Quand tu vas te faire ton ami, non, je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas prendre le risque. Non. Imagine ton mari apprend que tu es chez moi. Amen. Et Dieu va s'arranger pour bloquer les portes. Tu vas voir la science sociale et dit non, il n'y a pas de place. Amen. Et puis tu dois rentrer là-bas. Quand il part au travail, tu te sens, tu as un semblant de paix. Et quand tu vas à la porte, tu crac, crac, crac. Qu'est-ce que je vais vivre encore ce soir? Tu es stressé. Tu as la pression. Tu fais des erreurs parce que simplement tu as la pression. Tu commences à tout calculer. Tu ne peux pas faire ça. Quand tu fais ça, ils commencent à gueuler. Et les gens qui sont violents, ils commencent à te frapper. Alléluia. De bleu partout. De bleu partout. Et tu dis, tu fais pas autant pleurer. Si je suis un enfant de Dieu, je fais comment? Mais parce que quand tu devais choisir, c'est là où il fallait bien choisir. Amen. 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 Bien aimé, balayez dans votre vie tous les prétextes que vous avez pour chercher le mariage. Enlevez cela. Non, parce que je dors dehors. Ma soeur, tu ne vas pas te faire. Bien aimé, quand une femme se marie, il porte le nom de son mari. Maintenant, tu portes le nom de quelqu'un que tu n'aimes pas parce qu'il te frappe, il te bat. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut s'asseoir, il faut analyser, il faut prier. Ne soyez jamais pressé. Amen. Fais ton choix.
Dieu voulait que tu le maries l'année passée, tu serais marié. Si tu fais que cette année, pas cette année, ne te dis pas non, je vais louper ma chance. Bien-aimé, avec Dieu, c'est question de grâce ni de chance. Amen. Mais ne te mets pas dans une relation de mariage pour X raisons. Non, je dors dehors, tout ça. Tu dors dehors. Yes. Amen. Amen. Écoute, tu vois les messieurs avec une voiture. Ne te marie pas avec une voiture. Amen. Bien, mais nous faisons le temps des escrocs. Amen. Ou qui vient te voir, donner la Renault, donner la Peugeot, Mercedes, mais sur des voitures en location. Amen. 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 Sécurisez votre destinée. Amen. Quand tu es dans le mariage, tu te sens épanoui. Tu te sens épanoui. Quelqu'un te voit, tu dis, waouh, tu as de la joie. Tu brilles, tu es bien. Et tu te sens épanoui. Même s'il n'y a pas l'argent, même s'il n'y a pas je ne sais pas quoi. Mais dans ton foyer, tu te sens épanoui. Choisissez la bonne côte. Amen. Parce qu'une chose est sûre, tu es sorti de la côte de quelqu'un. Amen. Ma soeur, va porter une chaussure. Ou toi tu portes le numéro 8, on te prend 6 et demi. Alléluia. Amen. Essaye de faire ça. Tu vas les jeter en plein monde. Les gens vont te voir marcher pieds nus dans l'eau. Il a pété les plombs. Tellement ça te fait mal. Pourquoi ce n'est pas ta taille? Amen. Et beaucoup de femmes, alléluia, amen, qui sont avec des hommes ou qui veulent marier des hommes qui ne sont pas de leur taille. Simplement parce qu'il regarde à gauche, tel s'est marié, tel s'est marié, tel s'est marié, et moi, et moi, et moi. Mais si la pouvait était là, ton pouvait viendra. Il est né, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Amen. Et je vais acclamer le Seigneur. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Mais c'est juste à cause de ça, les gens s'est mal. Non, j'ai l'invitation. Tu connais telle soeur, elle te s'est mariée. Tu connais telle soeur, elle te s'est mariée. Mais tu ne sais pas sur quelle base il bâtit ses mariages. Sur quel critère il tient sur le choix de cet homme-là. Amen. Toi, tu ne sais pas. Après, on peut 6 mois de mariage. Amen. Tu verras qu'ils ne sont plus ensemble. Mais il faut que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe sa beauté. Si cet homme ne connaît pas Dieu, n'allez pas avec lui dans le mariage. Amen. Tu es en train de te préparer un gros colis de chèques conjugaux. N'allez pas avec lui dans le mariage. S'il n'est pas converti, si tu n'as pas de preuves que non, le monsieur avec qui qui va être mon mari, quelqu'un tu dois partager toute ta vie, s'il n'est pas né de nouveau, ne va pas avec lui. Tu vas souffrir. Il faut que tu sois sûr que ce monsieur-là a changé. Son cœur a changé. C'est un homme qui a donné sa vie à Dieu. Amen. C'est l'homme qui a la vie de Dieu. Parce que, bien aimé, lorsque l'homme a la vie de Dieu, quand tu es sa femme, il y a des choses qu'il ne te fera pas. Amen. Juste à cause de la vie de Dieu qui est en lui. Amen. Il ne te trompera pas. Amen. Non pas à cause de toi, parce que c'est que son Dieu ne n'aime pas ça. Amen. Il ne te frappera pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il ne te fera pas, parce que simplement, il a la vie de Dieu. Amen. Et combien de gens aujourd'hui sont en train de vivre avec des païens. Ils se sont mariés avec des païens. Pour X raisons. Parce que la famille pressée. La famille mettait la pression. Rejetez les pressions de vos familles. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Rejetez les pressions. Parce que ce n'est pas ton père qui s'est des mariages là-bas. Ce n'est pas ton père qui ton père qui s'est des mariages. C'est toi qui s'est là-bas. Amen. Et moi, je suis contre ces parents-là. Toi, tu as choisi ta femme. Tu es ton mari. Et tu es la femme de ta fille. Laissez-les choisir. Amen. Ne cédez pas la pression des familles. Mais néanmoins, comme ce sont tes parents, ce sont tes tuteurs, écoutez ce qu'ils ont dit. Mais la décision finale t'appartient. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sinon, tu vas aller dans ces mariages-là. Et nuit et jour, tu vas continuer. Toujours, c'est ma mère. C'est la faute de ma mère. C'est la faute de ma mère. Les gens vont te prendre pour l'imbécile. Mais pourquoi tu as écouté ta mère? Amen. Moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas. Fais ton choix. Mais faites des choix sur le critère de la parole de Dieu. Parce que bien aimé, il est sûr et certain. Aucun mariage ne peut être reçu en dehors de la parole. Amen. Aucun. Aucun mariage ne peut être reçu. Regarde les couples des hommes. Regarde comment ils vivent. La femme n'est pas soumise à son mari.
Les mari n'aime pas sa femme. La femme cache son argent. Les maris cachent son argent. La femme ne coule pas son mari. Les maris ne coule pas sa femme. Dans la maison, chacun fait ce qu'il veut. Je sors. Je ne vais pas tenir où je veux. Je suis libre. Mais le mariage, c'est une alliance. Amen. Parce que l'ignorance fait que non, je suis. Comment tu lis? C'est mariage, donc on est ensemble. Comment tu lis? Tu ne peux pas, ma soeur, mon frère, dans un mariage, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des comptes à rendre à ton mari. Et tu as des comptes à rendre à ta femme. Amen. Mais toi, tu sors, on te demande, tu veux me fâcher pour te dire, mais c'est ton mari. Amen. Et les maris sortent, les maris, tu sais où? Ils se fâchent pour. Mais bien aimé, parce que les gens sont ignorants. Les mariages, c'est une alliance entre deux personnes. Amen. Et dans une alliance, il y a des droits et des devoirs. Amen. Une alliance, c'est un contrat. Amen. Les mariages, voilà pourquoi, ici en France, quand vous allez vous marier, vous demandez, vous faites un contrat. Ah non, on ne fait pas de contrat. Parce que les mariages, c'est un contrat. Amen. Et ce sont des païens. Mais ils ont compris que le mariage, c'est une alliance. Et dans une alliance, c'est un contrat. Dans ton contrat de travail, tu as des obligations, des devoirs. Comme ton patron a des obligations, des devoirs. Amen. Dans ton travail, tu ne fais pas ce que tu veux. Amen. Pourquoi le ton frère veut faire ce que tu veux? Amen. Par ignorance, les gens ne savent pas que le mariage est une alliance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ma soeur, mon frère, tu ne dois pas entrer dans une alliance avec n'importe qui. Impossible. Amen. Une alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est une association. Tu ne t'associes pas avec n'importe qui. Amen. Vous savez, mais ta destinée est engagée. C'est un homme ou une femme que tu vas vivre sur la terre pendant toute ta vie. On ne joue pas avec ça. Alléluia. N'écoutez pas les colibés. Et toi, tu vas te marier. Hein? Regarde là, reste en paix. Qui n'a pas parlé. Parfois, les gens, ils parlent comme ça. Ils souffrent dans le sang. Amen. Amen. N'écoutez pas ça. De toute façon, il y aura toujours des moqueurs dans la vie. Amen. Et les gens vont vous humilier, vous mépriser. Amen. Mais bénissez ces gens-là. Ils sont en train de perdre la grâce sur ta vie. Amen. Mais on ne se marie pas. Ma soeur, avec une école, quel monsieur? C'est pas parce que, bien aimé, quelqu'un attire ton attention. Waouh, cet homme-là, il est beau. T'as dit comment l'habiller? Comment il marche? Alors moi, c'est des hommes comme ça, j'aime. Ah bon? Cette beauté-là dans la maison, tu vas l'oublier. Amen. Quand il va se transformer en catcheur, tu vas oublier la beauté. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas parce que bien aimé, quelqu'un attire ton attention, qui met ton cœur. Il peut attirer ton attention. Oui, c'est vrai que ce monsieur-là, il est beau. Il est toujours bien coiffé. Regarde le teint qu'il a. Mais c'est un mari. Oh. Amen. Ah, ma soeur, toi aussi. Moi, donc, comme ça, si tu veux, toi, tu prends. Franchement, il est beau. Quand je vois comment il s'habille, je vois sa même façon de parler. Quand je vois ses dents et tout ça, mais il est païen. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alléluia. Amen. Mais tu es en train de sauver ta destinée. Amen. C'est les critères bien-aimés qu'on doit atteindre. Et le deuxième critère. Je ne vais pas lire les versets, mais c'est dans Éphésiens 5, à partir du verset 12. La Bible dit, mari, aimez votre femme. Et la femme, mari. Mes soeurs, je crois que Dieu est en train de vous sauver. Amen. Il faut, écoutez-moi, regardez-moi. Il ne faut jamais se marier avec quelqu'un que vous vous aimez. Amen. Amen. Parce que souvent les soeurs, elles sont folles d'amour. Mais je ne comprends pas. Il ne faut jamais se marier avec quelqu'un que vous vous aimez. Il faut se marier avec quelqu'un qui vous aime. Amen. C'est différent. Amen. Amen. Parce que tu peux aimer quelqu'un sans qu'il t'aime. Amen. 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 Il ne faut jamais se marier avec quelqu'un que vous êtes. Oh non, je suis folle d'amour. Si mes parents ne veulent pas, je vais me suicider. Mais c'est toi qui l'aimes. Est-ce que tu es sûr que lui t'aime? Amen. 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 Si toi tu n'écoutes ni tes parents, ni les pasteurs, ni personne. Non, non, non. Moi c'est l'homme que j'aime. Si vous ne voulez pas, je vais me marier d'ailleurs. Tu vas à la maison et je tombe enceinte. Parce que tes parents ne voulaient pas. Amen. Mais toi tu l'aimes. Mais est-ce que lui t'aime? Amen. Oh, il faut se marier avec quelqu'un que tu es sûr. Amen.
sûr, être sûr que ce monsieur-là il m'aime. Amen. Alors c'est un homme, ma soeur, avec qui tu as donné le mariage. Parce que bien aimé, les besoins de la femme, écoutez-moi ce matin, même vous qui êtes mariés, vous me donnez raison, les besoins de la femme, c'est l'amour. Amen. Amen. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas dire amen. Amen. Bien aimé, une femme, tu lui donnes une maison, tu achètes un avion, tu lui donnes de l'argent, mais si tu ne l'aimes pas, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi vous remarquerez des femmes qui sont riches. Il a des voitures, il a des maisons, il a de l'argent. Il a des courriers et un voyou. Tu vois que ces femmes cherchent quoi? Elles cherchent l'amour. Amen. Amen. Parfois les gens se disent, mais c'est pas possible cette femme-là. Mais elle a l'argent. Elle a des villas. Elle a des grosses voitures qu'elle a. Mais ça suffit à sa vie. Mais voilà pourquoi il tombe sur un rasta même. Il est si elle va laver les dents. Mais la femme connaît cet homme-là. Pourquoi? Elle cherche l'amour. Amen, amen, amen. Parce que le besoin d'une femme, c'est d'être aimée. Une femme qui n'est pas aimée, vous qui êtes mariés, une femme qui n'est pas aimée est malheureuse. Amen. Est malheureuse. Amen. Et vous ne fiez pas parce qu'il va, il prend les mascarettes et comme ça, la rouge à lèvres, tout ça. Et à l'intérieur, elle est malheureuse. Amen. À l'intérieur, elle est malheureuse. Amen. Amen. Ne voyez pas, tu vois les talons, il va tout ça. À l'intérieur, si ce mari n'aime pas, à l'intérieur, elle est malheureuse. Même si tu vois des mecs jusqu'à là, tout ça, tu vois que c'est pas dire, waouh, quelle belle femme. Même en cours de route, les gens disent, ah, c'est ma femme, elle est belle, mais à l'intérieur, elle est malheureuse. Parce que son mari ne l'aime pas. Parce que le besoin de la femme, c'est de sentir aimé. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Une femme qui aime. Mon chéri, tu es où? Tu fais la maison. Tu veux que je te sers à manger un peu? Tu as bien dormi? Je vois que tu n'es pas à l'aise. Tu vois, elle est contente dans son cœur. Non, mon mari, prends soin de moi. Elle cherche à savoir si je vais bien. Il y a les maris. Il y a les maris. Il passe à côté de toi. Il s'en fout. Je vous dis, il s'en fout. Et d'ailleurs, il va chercher sa chemise. Tu vois qu'il s'habille. Il s'en va. Vous voyez, en train de gémir. J'ai mal. Ça me demande qu'est-ce que j'ai. Mais tu pouvais rester à la maison aussi. C'est un problème. Tu es amené à l'hôpital. Il est parti. Il s'en fout. C'est la vérité. Amen. Il t'a laissé souffrant. Et puis il rentre après. Va me préparer la semoule. Tu dis non, j'ai mal. Ça devient un problème. Une femme qui n'est pas aimée, c'est pour ça, mes soeurs, ne cherchez pas un homme que vous aimez. Amen. Cherchez un homme que tu es sûr que ce monsieur-là, il m'aime. Amen. Il s'en fout de ton travail et de ton argent. Amen. Et je dis, c'est ma femme. Amen. Amen. Michel, tu as besoin de 5 euros. Tiens, prends. Mais si le monsieur t'aime pas, tu vas me donner 5 euros. Quoi? Tu travailles, non? Et ton argent? Alléluia. Amen. Donna, donna. Amen. Mais quand un monsieur aime sa femme, et si c'est un travail? Parce que l'amour consiste à donner. Amen. Mais quand quelqu'un te demande ce qu'il t'aime, quand quelqu'un te donne ce qu'il t'aime aussi, Amen. Si ta femme dit, monsieur, donne-moi 50 euros là, tout ça, tu tiens, prends. Mais c'est toujours non. T'as toi, t'as pas d'argent. Tu vas les toucher ta paye. Il y a des jours. Toujours ça. Amen. C'est pour cela, quand tu veux entrer dans le mariage, alléluia, amen, assure-toi. Assure-toi de nous. Franchement, ce monsieur même. Amen. Même les gens qui t'entourent, même dans ta famille sont concernés. Hey, amen. Garde ton mari là. Amen. C'est toi qu'il faut le garder. Amen. C'est vraiment quelqu'un d'aide. Amen. Même quand on est entre nous, il faut voir comment il parle de toi. Alléluia. Amen. C'est des hommes comme ça avec qui on doit se marier. Amen. Mais souvent les sœurs, ils vont à la quête du mariage. Ils cherchent les hommes que eux aiment. Surtout si l'âge commence à avancer. Ils n'ont plus d'analyse à faire, ils n'ont plus de réflexion. Cherche à se marier. Mes sœurs, alléluia. Amen. Avec quelqu'un, tu es sûr que ce monsieur. Parce que les besoins de la femme, c'est l'amour. Les besoins de la femme, bien aimé, c'est l'amour. Une femme dans son foyer, elle ne se sent pas aimée, bien aimée, je vous le jure.
Amen. 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 Vous allez voir, elle va veiller même à son âge. Parce qu'il y a besoin de la femme sans moi. La femme veut être aimée. Amen. Amen. Même quand tu lis des compliments qui viennent même pas de ton cœur, la femme accepte ça. Elle a besoin de ça. Mais combien de gens sont dans les mariages aujourd'hui? Avec les hommes qu'eux ont aimés. Et quand ils se sont mariés, ils se sont rendus compte après que le monsieur ne les aime pas. Or, il faut avant. Alléluia. Tu dois te rendre compte que le monsieur t'aime. Sinon, n'y allez pas dans tes mariages. Vous allez. C'est lui qui t'invite au resto. Ils vont aller au restaurant. Vous allez, vous mangez. Puis bon, beefsteak, tout ça, avec frites. Vous mangez. Non, et dessert, et glace. Et puis à la fin, et toi tu payes ta part, moi je paye ta part. Wow. Tu dois faire très attention. Et même vous rigolez. Mais tu vas, les gens au restaurant, ça va te faire bizarre. Ah bon, c'est lui qui m'a invité. Mais je dois payer, lui paye sur les pommes. Et s'il n'y avait pas ma carte de bleu, il s'est amené là, je le fais quoi? Tu dois faire attention. Mais les gens parfois, ils font abstraction de tout ça. C'est pourquoi je dis au départ, tu peux entrer au mariage les yeux fermés, mais tu n'auras pas le choix. Dans le mariage, les yeux vont s'ouvrir. Le problème que les gens ouvrent les yeux dans le mariage, oh il est là, mais tu ne savais pas avant. Tu n'es pas entré au restaurant là-bas, toi tu as payé ta part, il fallait savoir avant qu'il était là. Souvent quand les yeux s'ouvrent, c'est trop tard. Amen. Parce que les besoins d'une femme, c'est qu'on l'aime. Mais quand ta femme se rend compte que tu l'aimes, tu pourras l'amener où tu veux. Amen. Et faire d'elle ce que tu veux. Amen. Amen. Voilà pourquoi de telles femmes, parfois telles femmes, non, on l'a envoûté. Non, l'amour. Amen. La Bible dit dans le livre des Cantiques, chapitre 3, l'amour est plus fort que la mort. Amen. Vous imaginez, l'amour est plus fort que la mort. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes se suicident à cause de l'amour. Ils ne pensent pas que je vais laisser mes parents, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Elle se suicide parce qu'elle se sent privée de l'amour. Pourquoi quand un homme trompe sa femme et cette femme-là au courant que cet homme-là la trompe avec une femme, pourquoi se fait mal? Parce que ça trahit la joie. Amen. 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 Il n'y a pas pire, mes amis, qu'une femme peut accepter que son mari le trompe. Dieu a une femme. Je te donne l'argent, je te donne une maison, une villa, des voitures, mais je t'ai trompé demain. Et tu diras non. Amen. Amen. Parce qu'il y a besoin de la femme, c'est l'amour. Tenez, frères et sœurs, compte de ces critères-là. N'allez jamais parce que vos parents vous poussent pour rendre ton compte. Cherchez à savoir que non, c'est monsieur la même. Je dois aller avec elle, avec le mariage. Si tu n'es pas convaincu, n'y allez pas. Alléluia. Amen. Et même dans vos relations, ne vous mettez pas simplement en relation avec les gens qui vous aimez. Mais ces gens doivent vous aimer aussi. Amen. Parce que beaucoup de gens marchent avec des gens que vous aimez. Mais vous rendez compte, vous ne t'aimez pas. Quand tu es en deuil, toi tu vas. Il a une fête, une semaine tu as dit prépare. Quand il se situe là, mais quand c'est tout, oh non, je n'ai pas eu le temps. Il faut se méfier des gens. Amen. Mais quand toi, lui a des problèmes, tu fais tout pour lui. Mais quand toi tu as un problème, parfois tu perds ta mère. Quand tu as perdu, il a perdu sa mère. Il t'a appelé à 14h. À 15h, tu fais chez lui. Amen. Mais quand ta mère est décédée, il est venu une semaine après. Tu es déjà avec qui il faut faire attention. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent nous sommes comme ça. Nous aimons les gens que nous nous aimons. Amen. Oh, moi je l'aime. Mais est-ce qu'il lui t'aime? Amen. 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 Surtout les gens qui nous disent, oh non, je suis folle d'amour. Tu sais comment on est folle d'amour? Oh non, si je ne vois pas, je donne tout ta texte, tout ton téléphone, les crédits sincères, c'est pas fou, c'est papa qui va payer. Alléluia. Amen. Parfois, le monsieur là-bas, il a d'autres copines. Il a d'autres copines. Amen. Combien de filles sont comme ça? Son salaire, il travaille, il donne tout au commun. Amen. Mais parce qu'il fait que. Mais on ne force pas la vie. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Amen. Tu peux donner à boire, à manger, à l'argent. On ne force pas la vie. Ne forcez jamais la vie. Ton salaire,
peux l'acheter ce que tu veux. Il te donne ma satisfaction. Parce que je perds, non, sinon il va partir. Mais bon, écoute, j'ai un problème, je vais le laisser en héros. Allez, toi aussi, non. Bon, laisse tomber. Bon, tout ça, je m'en vais. Oh non, attends, je vais te donner. Tu donnes. Il est en train d'exploiter. Parce que même dans son esprit, il sait que non, c'est une soeur que je ne vais pas épouser. Je suis en train de l'exploiter. Mais toi, tu l'aimes. Il ne t'aime pas. Il ne faut jamais aller au mariage avec un homme comme ça. Il y avait une ramène. Jamais. Même s'il est beau. Même si c'est l'argent. Parce qu'on ne peut pas comparer la beauté et l'argent. Amen. On peut comparer l'amour et la beauté. Amen. Même s'il est beau, si tu sens qu'il ne t'aime pas, n'y allez pas. Amen. 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 C'est très important. Et dimanche prochain, nous allons voir ça. Certains critères. C'est très important. Quelqu'un avec qui va m'asseoir, il va te fidèle à Odin. Amen, amen, amen. Un homme qui n'est pas fidèle à Dieu, tu crois qu'il te sera fidèle? Amen. Mais bien, c'est des petites choses, mais vous t'êtes. Mais un homme qui n'est pas fidèle à Dieu, il ne sera jamais fidèle. Amen. Si les choses qu'on ne doit pas faire à Dieu, lui il fait à Dieu. Amen. Et à toi. Amen. 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 Parce que lorsque quelqu'un ne paye pas la dîme, il trompe Dieu. S'il trompe Dieu, il te trompera. Amen. Il te trompera. Amen. 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 Vous allez voir, à un certain temps, tu vas voir des cousines que tu n'as jamais vues. Amen. Oh, c'est ma cousine. Mais c'est la fille de qui? Attends. J'ai oublié son nom. Attends. Il va te tromper. Quelqu'un qui trompe Dieu finira par te tromper. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne t'aimera pas. Tu vas forcer l'amour. Tu vas forcer l'amour. Voilà pourquoi vous allez vous battre, des querelles tout le temps. Ça va rentrer ici, ça va sortir là. Ce n'est pas sa faute. Il ne peut pas aimer un homme que Dieu a créé, alors que Dieu qui a créé cet homme, lui, il l'aime pas. Il ne peut pas aimer une femme que Dieu a créée, alors que Dieu a créé cette femme-là, ce Dieu ne passe pas possible. Ne vous aventurez pas, frères et sœurs. Votre destinée est précieuse. Amen. Dieu tient compte de votre mariage. Amen. Parce que les choses, mes frères et sœurs, que Dieu doit accomplir dans ta vie, il fera au travers du mariage. Amen. Les choix d'un homme, les choix d'une mari, ne se prend pas à la légère. Amen. Ta destinée est engagée. Tu peux briser, il porte que ton avenir. Amen. Amen. Il faut que le monsieur t'aime. Si tout ça ne leur faut, il t'aime. Sinon, vous allez voir toute la fin du mois depuis Disney. Toi, tu payes la maison, moi, je paye l'électricité. Toi, tu payes le téléphone, moi, je paye ceci. Le mois passé, c'est moi qui fais les courses, et moi, c'est toi qui fais les courses. Et c'est toujours ça. Amen. Je te dis, mais non, mais moi, j'ai pas l'argent. Je vais envoyer l'argent, ma mère était malade. Les problèmes commencent. Je me fous de ta mère, tout ça. Et moi, je suis pas là pour te nourrir. Et ta femme, tu n'es pas pour le nourrir. Mais qui va le nourrir? Amen. Mais les gens disent ça. Je ne suis pas là pour te nourrir, mais ta femme. Je ne suis pas là pour te... Mais qui va l'habiller? Amen. Alléluia. Amen. Voilà, vous voyez des messieurs comme ça. Les messieurs sont toujours sur les femmes. Amen. Quand une femme est bien habillée, bien tout ça, elle est belle. Ma soeur, comment ça va? Habille ta femme. Merci. Habillez vos femmes, faites de vos femmes des belles femmes. Comme ça peut être apprécié. Ça doit être Amen. Habille ta femme. Amen. 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 Une femme bien aimée qui n'a pas de soucis, ça embellit. Amen. Certaines femmes qui sont en train de faner avant leur âge, parce que simplement elles ont des problèmes. Amen. C'est difficile de vivre avec un homme et une femme avec qui vous n'entendez pas. C'est difficile. C'est difficile. Tu peux commencer à maudire ta vie. Tu vous garantis, tu peux maudire ta vie. Il pose la question. Mais franchement, si la vie était à refaire, je ne vais pas prendre ta femme. Amen, papa. Mais c'est trop tard. Amen. C'est pour ça, toi qui es célibataire, tu as les cartes en main. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu prends ton temps. Tu comprends pas les gens. Tu as 23 ans. Alléluia. Amen. Tu as tout le temps de faire les choix. Tu prends ton stylo, oh je t'aime. Bien après ça. Non, vraiment. Tu as 23 ans. Amen, amen. Et les gens sont pressés.
Mais ce que vous voyez là, le jour des mariages, c'est pas ça dans les foyers. Tu vois le maquillage là, vous dansez là, robe blanche. À la maison, pas votre robe noire. C'est pas ça que vous voyez. C'est pourquoi les gens ne prennent pas les temps. Amen. Moi, je vais au mariage. Tu vois les jeunes filles quand quelqu'un se marie, on dirait que son tour doit être demain. Mais il faut attendre. La patience, c'est un fou de l'esprit. Amen. Il faut apprendre à s'entendre. Mais il faut comprendre que ta destinée est engagée. Ta destinée est engagée. Tu ne dois pas devenir la femme de n'importe qui. Mais réfléchissez. Tu ne dois pas devenir la femme de n'importe qui. Tu vas quelque part dire, maman, madame, c'est qui ton mari? Mais il ne doit pas être n'importe qui. Qui ne doit pas porter le nom de n'importe qui? Comment vous ne réfléchissez pas? Amen. On ne se marie pas parce qu'on veut se marier. On ne se marie pas pour avoir des rapports sexuels. Bien aimé, beaucoup de gens font ça sans se marier. Choisissez l'homme. Tenez compte des critères. Amen. Amen. Même si tes parents disent non, on veut cet homme-là. Parce qu'il y a des parents qui sont comme ça. Arrêtez les parents, écoutez-moi. Arrêtez de mettre des pressions sur vos filles. Amen. Alléluia. Amen. C'est la méchanceté. Qui a choisi ton mari? Qui a choisi ta femme? C'est toi. Maintenant, tu veux quand même choisir le mari de ta fille. Laissez ta fille faire son choix. Amen. Amen. Mais parce que simplement, parce que, vous savez bien aimé, il y a des gens qui sont des escrocs. Ils sont des escrocs. S'il va aimer une fille dans une famille, s'il voit que la fille est de ça, il va commencer à arroser ses parents. Maman, tiens, laisse un euro pour juste une bière. Et puis ça va. Et puis demain encore vient. Tu vas avec des colis. Chargé comme supermarché. Maman, tiens, ça je vous donne ça à vous. Quand la fille dit maman, moi ce garçon, il ne faut pas que. Hey! Non, 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 non. Mais parce qu'ils sont vendus. Amen. Allez, alléluia. Amen. Laissez tes parents se vendre. Ma soeur, toi, ne te vends pas. Amen. Pourquoi pas sa destinée? Voilà pourquoi il dit à ses parents, moi cette fille, là, ce garçon-là va manger. Je ne fais pas clair. C'est pas clair. Eh, ne sais pas. Tu veux dire quoi? On va te chasser la famille. Non, vous allez chasser. Mais ces messieurs-là, je ne vois pas clair. Parce qu'il y a des gens qui sont des escrocs. Il va arroser les parents. Il va donner aux parents. Comme ça, si la fille refuse, les parents vont défendre. Non, 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 non. Nous, on a pris ça, on a pris ça. C'est pourquoi il faut dire aux enfants maintenant. Amen. Amen. Faites très attention. C'est pourquoi, mes soeurs, vous faites très attention. Quand quelqu'un commence à s'approcher de vous, un homme commence à s'approcher de vous, ne prenez pas d'abord ses cadeaux. Amen. 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 Ne prenez pas ces cadeaux. Ne te laisse pas vendre. Ça fait un mois que je t'ai connu. Un mois et demi. Et pourquoi tu me fais le cadeau? Et parfois, je ne t'ai jamais dit oui. Amen. Alléluia. Amen. Je ne t'ai jamais dit que je t'aime. On était se côtoyer, vivre ensemble, en tendant, je suis en train de voir, de prier. Mais je t'ai jamais dit oui. Pourquoi tu me donnes les cadeaux? Tu ne prends pas ces cadeaux. Parce que les cadeaux achètent les gens. Amen. Mais les filles sont comme ça. Amen. Il y a eu 3 semaines. On va rester là. Non, non, je mange chez moi. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas encore. Je ne vais pas encore au restaurant. Bien-aimé, je vous jure. Quand un homme voit une femme qui résiste, cet homme se dit que c'est une bonne femme. Amen. Une femme qui est faible. Amen. On dit ça, oui. On voit ceci, oui. On voit cela, oui. Cet homme dans son cœur, c'est une femme qui est faible. Parce qu'il veut dire oui à moi, il veut dire oui à tout le monde. Amen. Mais parfois, tu as faim. Si tu dis non, on va au restaurant. C'est pas, j'ai faim. Ah, non, je ne parle pas. Amen. Mais pourtant, tu as faim. On dirait qu'il savait que j'avais faim. Mais il dit non, je ne parle pas. Je vais manger la maison. Amen. Amen. Il faut tenir compte de votre personnalité. Amen, papa. Parce que le mari qui vient de prendre le mariage est juste au-dessus de ta personnalité. Amen. Parce qu'il y a des filles qui sont très légères aujourd'hui. Amen. Très légères. Avec 50 euros, tu amènes à l'hôtel. Très légères. Et si un mari, un homme remarque cela, il dit non, si moi je peux l'amener à l'hôtel, alors que ça fait un mois qu'on se connaît. Quelqu'un peut faire cela. Je ne suis pas une femme sérieuse. Amen. Tu verras demain devant moi, Dieu m'a dit, c'est pas toi. Amen. Alléluia. Ne brisez pas votre destinée. Tenez compte de ces critères. Un homme qui trompe Dieu finit par te tromper. Amen. Un homme qui n'aime pas Dieu, qui n'a aucune relation avec Dieu,
vous engagez avec cet homme-là, les mariages échoueraient. C'est sûr et certain. La Bible dit, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Si votre vie de couple que vous voulez bâtir ou qui existe actuellement, si vous la bâtissez pas avec Dieu, amen, et vous la bâtissez vous-même, cette vie et ce couple-là est juste pour là. Laissez Dieu bâtir. Laissez Dieu bâtir. Un mariage, frère et soeur, c'est Dieu qui l'a créé. Comment tu veux entrer dans une chose que Dieu a créée sans Dieu lui-même? Amen. Comment tu veux entrer dans une chose que Dieu a créée sans connaître ce Dieu-là? C'est pas possible, ça ne marche pas. Essayez d'abord de connaître Dieu, même vous-même. Amen. Pas simplement le frère avec qui tu es marié, même toi-même la soeur. Essayez d'abord de connaître Dieu. Au moins, parce que vous savez, dans un foyer, c'est l'homme qui est le chef dans un foyer. Mais la vérité, c'est la femme qui est la maîtresse. Amen. C'est une femme qui dirige un foyer. Amen. Et si tu ne connais pas Dieu toi-même, la soeur, comment tu veux dire ton foyer? Amen. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont venues casser leur mariage eux-mêmes. Par manque de sagesse, c'est par manque de la parole. Amen. 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 Que Dieu vous aide, frères et sœurs. Le mariage est précieux pour Dieu. Amen. Dieu n'unit pas les gens par hasard. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'il veut accomplir dans ta vie. Mais Dieu sait. Quand tu es seul, tu ne pourras pas le faire. Voilà pourquoi vous remarquerez bien aimé. Une femme peut prier, une femme peut aimer Dieu, peut servir Dieu. Mais son impact dans la vie sera limité à cause de l'homme avec qui il vit s'il n'est pas converti. Amen. Voilà pourquoi les hommes qui empêchent les gens, tu ne vas pas à l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Écoute pas venir. Tu dis, je pars quand même. Quand tu rentres, des discussions, des problèmes. Et puis demain, toi-même, tu seras fatigué. Non, non, je n'irai pas ce dimanche. Au moins, il y aura la paix de l'effort. Amen. 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 Voilà pourquoi Abraham, je termine par là. Voilà pourquoi Abraham. Si vous voulez l'amener, quand Isaac est devenu grand, quand Isaac veut se marier, Abraham dit à ses serviteurs, vous allez dans les pays d'où je viens chercher une femme pour mon fils. C'est simplement le signe de la conversion. Est-ce que là où Abraham a été, il n'y avait pas de femme? Si. Mais Abraham a dit, vous ne prenez pas une femme pour mon fils ici. Ici, je ne veux pas. Parce que je connais la mentalité des femmes qui sont ici. Je connais la nature des femmes qui sont ici. Allez là où je viens, dans mon pays là-bas. Allez chercher une femme pour mon fils. Amen. C'est profond. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu parles la langue, mais les nouveaux, remplis Saint-Esprit. Mais pourquoi tu vas chercher un homme qui va remplir Saint-Esprit? Vous voulez que ça marche comment? Amen. Toi tu aimes Dieu, lui n'aime pas Dieu. Toi tu pries, lui il ne prie pas. Tu es venu à la fin de prier. Toujours prétexte, tu vas chercher des femmes là, des hommes là-bas. Et les hommes peuvent chercher partout. Amen. C'est le prétexte, non? Tu peux aller prier, tu vas chercher des hommes là-bas. C'est pas que les hommes vont chercher l'église. Si ta femme veut tomber, ils tomberont partout. Amen. Mais tout ça, pourquoi? Parce que, bien aimé, pour vivre avec quelqu'un, vous devez avoir certaines choses qui vous rassemblent. Amen. 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 Mais si tout vous divise, toi tu aimes ça, lui n'aime pas. Toi tu aimes ça, lui n'aime pas. Toi tu aimes ça. Bien aimé, un couple comme ça, c'est un couple à problème. Amen. Il faut qu'il y ait des choses qui vous rassemblent. Amen. Moi j'aime ça, mon mari aime ça aussi. Moi j'aime ça, mon mari aime ça aussi. Moi j'aime ça, mon mari aime ça aussi. Au moins à la maison, vous discutez, vous parlez sur des choses que vous aimez. Amen. Mais sinon à la maison, tu as peur de parler. Parce que quand tu dis une chose, il n'aime pas ça, c'est une discussion qui commence. Sauvez vos destinées. Amen. 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 Sauvez vos destinées. N'allez pas prendre pour prendre. Soyez fermes de la foi. Regardez au ciel. Que ceux qui vous entourent ne vous mettent pas la pression. Amen. Amen. Vous savez, moi, j'ai bien aimé. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Amen. Ils sont les premiers à te dire, va, va, va. Mais quand ça ne marchera pas, ils sont les premiers à se moquer. Amen. Ils sont les premiers à prendre le téléphone. Alors, tu n'as pas entendu les nouvelles? Amen. Je pense que ce mois-là, c'est le divorce. Amen. C'est lui qui va discuter. Il va parler par là. Amen. Alors que celui qui dit non, va simplement, tu vois pas qu'il est beau cet homme-là, tu vois pas qu'il. Donc, mais après, c'est lui qui va prendre le téléphone, il va venir partout.
J'ai des nouvelles de terre, je pas des nouvelles. Et moi je le fais, qu'est-ce qu'elle a maigri hein? Elle a perdu moins 20 kilos. Non, elle est malade, non, elle n'est pas malade, son mari vient de partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, l'aîné, les choses qui concernent ta destinée, ça doit être la décision. Amen. Au moins, si c'est une mauvaise décision, tu te diras, c'est ma faute. Amen. Amen. Mais que quelqu'un d'autre ne prenne pas la décision à ta place. Parce que c'est ta destinée qui est engagée. Prenez des décisions vous-même. Quand ça marche, tu bénis Dieu. Quand ça marche pas, tu dis c'est pas grave, c'est pas faute. Les gens m'ont parlé, je n'ai pas voulu écouter. Mon père a dit, je n'ai pas voulu écouter. Ça, c'est ma faute, c'est pas grave. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais imaginez que tu es dans des problèmes où tu ne voulais pas. Quelqu'un t'a envoyé dans ces problèmes-là. Tu vas haïr la personne. Amen. Amen. C'est pour cela, si tu as fait ton choix, selon des cultures païennes, parce que tu voyais l'homme était beau. L'homme avait de l'argent. Et ceci. Alléluia. Amen. Tu as minimisé l'autorité de la parole. Tu as défié la parole. Il fallait te répondre. Dieu est miséricordieux. Amen. 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 Tu connaissais Dieu avant. Avant de te marier, toi, tu connaissais le Seigneur. Amen. Pourquoi tu as fait ce choix-là? D'aller prendre quelqu'un que vous avez. Vous n'avez même pas les mêmes pensées, ni les mêmes aspirations, ni les mêmes convictions. Parce que tout ce que tu voyais avoir un homme dans la vie. Mais non, c'est pas ça le mariage. Il y a des gens qui n'ont pas des maris et des femmes qui sont très heureux. Ils sont heureux. Amen. Mais les gens souvent, non, j'ai besoin de l'homme là. Non, on se marie, bien aimé, pour accomplir un plan divin. Sinon, tu vas empêcher l'accomplissement du plan de Dieu sur ta vie simplement parce que tu es tombé avec un homme, une femme, qui n'est pas dans les plans de Dieu pour ta vie. C'est pour cela, si ma soeur, un monsieur t'approche, va dans le jeûne de 3 ou 4 jours. Amen. Le Seigneur, s'il te plaît, sur ta vie. Est-ce que c'est lui, c'est pas lui? Seigneur, s'il te plaît. Amen. Je vis ma mère comme elle souffre. Je vis ma tante comme elle souffre. Je vis ma soeur comme elle souffre. Seigneur, moi, non, je veux. Seigneur, s'il te plaît, tu vas te parler. Amen. Même si tu ne parles pas comme ça, mais tu vas sentir Amen. Une confiance dans ton cœur. Ça, c'est ton blâme, je ne veux pas. Je ne peux pas expliquer, mais je veux dire qu'on arrête là. Et tu as tenu sur les tables. Mais les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Tellement que des fois, les gens vont louer une grande salle. Des fois, j'ai la robe que je vais mettre. Ah, la limousine, là, une telle a pris là. Ils ne prient pas. Quand ça va capoter, après, ils commencent les jeûnes. Alors, il faut prier avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.